Bon alors, je dis que je vous fais confiance, mais je sais pas si j'ai raison, hein, ceci dit, hein, on va voir. Si la VOD est en ligne, c'est que j'ai eu raison. Bonjour tout le monde, du coup, c'est Atto, bienvenue dans cette nouvelle session Hades sur la chaîne. On continue de faire un petit peu la découverte du jeu avec notamment eh bien, les différentes armes. Hein, voilà, j'ai fait une run à l'épée qui s'est encore soldée par un échec, je suis désolé. Vraiment, j'aurais voulu réussir, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc là, on va changer un petit peu et j'ai pris un arc, l'arc de Hera. On m'a dit, prends Hera et prends Poséidon, tu vas prendre du plaisir. Donc là, j'ai envie de prendre du plaisir. On va faire tout ça et c'est parti. On va lancer et ça va bien se passer. Ne jamais faire confiance au chat, c'est vrai! C'est vrai. Ah, ça y est, ça parle. Eh bien, on est parti. Go. Alors, j'étais censé avoir Poséidon. Votre attaque inflige 150% de dégâts aux ennemis proches. J'ai un arc. Votre technique inflige plus 3 points de dégâts de base pour chaque projectile consécutif. Ah, mais c'est super chaud, ça. Ah, merci, Dani, merci beaucoup. Eh ben, GG à toi, merci beaucoup. Maintenir enfoncé le bouton technique pour afficher deux scales. Ah. Qu'est-ce que vous en pensez sur le chat? Déjà là, on arrive sur un problème. Parce que bon, ok, ça me donne très envie, mais sauf que j'ai pas un arc shotgun là. Ce qui serait très bien avec l'arc shotgun, ceci dit, mais là je l'ai pas. Donc vous dites barrage, ça peut être pas mal. Parce que le dernier, ça a l'air très bien. Ouais. Jamais tu touches consécutif avec le deuxième. Ah oui, mais je suis con. C'est que là, j'ai un arc. Ah si, c'est... Attends, 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 attends. Je suis con. Je charge. Ah, mais attends. C'est pas ma technique qui va taper là. Merde. Et oui, c'est ça. Bon, on verra. On verra, d'accord? J'y crois pour le 1. Comment ça, je me suis trompé d'aspect? Mais non, mais là, j'ai pris l'arc de Hera. Vous avez dit l'arc Hera avec le Poséidon, c'est le feu. Donc moi, je vous crois. Moi, je vous crois. Ah merde, il y avait un pot en or, et voilà, vous me déconcentrez, et voilà comment ça commence. Ah bah super! Alors voilà, je commence à faire confiance au chat, et regardez comment ça se passe. Super. Déjà la Discord parmi vous. Ok, mais c'est vrai que là, si j'avais pris l'arc de Chiron avec les bonus de technique, ça aurait été beau. Mais la vérité, c'est que la seeds aurait peut-être été différente, donc ça aurait rien changé en fait. Ok. Attention. Ok. Bon, vous êtes pas tous d'accord sur le chat. On voulait pas Hera, on voulait Chiron. Mais non, mais vous avez dit les deux. Oh, ça, vous êtes jamais d'accord de toute façon. C'est toujours la merde. Allez, c'est bon. Oh, par contre, là, c'est le run qui va durer à peu près 2 heures. Hein. Je call, ça va être infâme. Mais ça va être bien, vous inquiétez pas. Par exemple, là, je pourrais me dire, c'est cool, je suis heureux, je vais avoir Poséidon. Mais comme un gros connard, il y a ça, donc je prends ça. Voilà. Ah, le codex a été mis à jour, maintenant qu'on l'a débloqué, effectivement, ouais. Merde, j'ai oublié de lire. Quel gros con. Okay. Alors, on regarde. Je peux avoir plus de vie. On inflige lorsqu'on attaque nos ennemis... Ok. Ou attaque qui fait plus de dégâts? Attaque qui fait plus de dégâts, c'est parti. Et la Poséidon. Eh non, enfoiré. Là. Le fourbe. Ah, j'ai raté le poisson. Putain, mais je rate tout, mais c'est pas possible. Donc là, on fait pas la technique, hein, je précise. Bon, l'avantage, c'est que si je peux taper à distance comme ce que je suis en train de faire là sur Hadès,
ça va faciliter un petit peu les choses. Parce qu'Hadès, finalement, c'est plus le corps à corps qui me fait chier que la distance. Hein. En soi, le pattern, c'est bon, je l'ai compris, mais je l'ai compris à distance. Ok. Ah. Le PNJ, c'est quoi déjà? Je me rappelle plus très bien. Alors, évidemment, on a envie de faire ça, mais non. J'ai 140, je peux tenter le... Ah oui, c'est des ressources. Ok, on va faire ça. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je mette mes lancers dans l'arc, sinon tout ce que je fais sert à rien. Bien vu. Là, comme ça, sans aucune hésitation, ce sera de l'argent. Alors ça, par contre, c'est très très cool. Poséidon, c'est maintenant. Alors, j'ai pas vu si j'avais fait une grosse attaque avec mon truc. J'espère que oui. On va retenter. Ah, ça a l'air pas mal quand même. Après, il faut voir comment je le booste, mais ça a l'air pas mal du tout. Ça va, le DPS a l'air ok. On va voir. Alors, tu connais ton oncle Zeus, machin, blablabla, ok, très bien, oui. Et là, c'est le drame. Alors, votre attaque est plus puissante et repousse vos ennemis, ok. Votre lancer inflige des dégâts de zone et repousse vos ennemis. Donc là, on est d'accord que si je fais ça, c'est monstrueux. Sans aucune hésitation. Le bazooka de Poséidon, c'est le tir de submersion. Oui, tout le monde est d'accord, très bien. Et donc c'est là qu'on va voir si effectivement ça valait le coup de faire ce que je viens de faire. Attention les yeux, c'est maintenant. Boum! Oh putain, oui, j'avoue. J'avoue, c'est propre. Alors maintenant, faut que je déloge plus vite. C'est bien, ça va nous faire vraiment changer complètement la façon de jouer par rapport à d'habitude. Ah oui, parce qu'en plus, dès que je tue, je libère. Donc c'est fumé. Genre tu charges la bastos et BAM! Ok, c'est très puissant. Et BAM! Bon, sauf quand tu tues pas. C'est pas mal quand même. Alors est-ce que ça vaut le coup d'en charger 3 par contre? C'est une question qu'on pourrait se poser. Ça se trouve, un seul est déjà largement suffisant. On va voir. C'est quand même pas mal, hein. Faut que j'apprenne à tirer pile poil dans le timing blanc. Mais après, quand j'aurai ça, ça sera, je pense, très très beau. Alors, des clés ou des gemmes? Non, bah des clés mille fois. Hein. Allez, c'est parti. Deux clés gratuites, qui dit non? Alors, il y a un truc. Ah, je pensais que c'était de la pêche. Pour une fois, je le voyais. Je suis presque déçu, là. Alors, est-ce que j'améliore mon bienfait? Ou est-ce que je tente la santé? Non, on va améliorer le bienfait, plutôt. Oui, c'est assez fun. C'est assez fun, voilà. Je pense que... sur ce genre de truc là, j'aurais plus intérêt à prendre une charge et à tirer à chaque fois plutôt que de mettre les 3. Parce qu'en plus, j'ai l'impression que ça, quand on met 3 d'affilée, il y a des attaques qui passent pas. À vérifier, hein, mais. Ouf. Ouais, non, ça c'était tellement le bon choix, mon dieu. Tellement de lucidité dans ce choix. Et la boutique qui va tout sauver. Merci Nightside, merci beaucoup. Oh. Alors là. Alors les bienfaits à effet de pousser appliquent également fracturé. Fracturé, c'est pendant 3 secondes la bienfaits. Oh là là là, mon dieu. Ça a l'air très bien ça aussi. Hein. Enfin, par rapport à ce que j'ai, vu que je pousse. En plus ça complète, c'est parfait. Toutes les 0,2 secondes. Et ça dure 3 secondes. Alors attends, 3 secondes, 0,2 secondes. On réfléchit là.
Si ça fait 10 de 6 dégâts de plus toutes les 0 de seconde, c'est sur 3 secondes. Donc ça veut dire que tu coupes en 30. 30 fois 6, ça fait beaucoup ça, non? Ça me semble énorme. Mais non, c'est pas 30, je suis con, je dis la merde. Attends, pendant 3 secondes, je vais y arriver. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 15, je dis une connerie. Donc 15 fois 6, ça fait plus que 33. C'est très bien le up en fait. Ok. J'essaie de compter par rapport aux dégâts que ça peut potentiellement faire. C'est maladroit, mais c'est important. Bon, bah, c'est là qu'on va savoir, ouais. On va voir ce que ça donne. Petite patate, quand même. Par contre, il a pas eu l'effet fracturé. Alors, peut-être que ça marche pas très bien avec ce que j'ai, en fait. Oula. Si elle l'a eu. Merde. Faudrait tellement que je puisse déloger. Mal hein. Ça fait très très mal hein. Vraiment ça fait très 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 mal. Ouais. Alors c'est pas dit que ça soit beau pour la suite, on va voir hein. Je vais peut-être galérer, mais en tout cas là en termes de dégâts on n'est pas à l'arrache quoi. Alors on pourrait vouloir les coups critiques, mais en fait c'est même pas notre build. Je sais même pas avec quoi j'ai envie de comboter. J'ai juste envie de faire en sorte qu'on améliore les chances d'avoir du rare. Après, sinon, je peux bourrer les thunes. Ouais, c'est le moment. Parce qu'en plus, là, c'est l'hydre et tout. Donc, c'est... Ouais, allez, c'est le moment. Attends, quoi? Ouais, mais les trésors, ça me mange pas trop. Ah oui, c'est vrai qu'on a un truc pour les dégâts à distance. Vous avez raison. Bah, je vais prendre l'argent là. Et après, on fera les dégâts à distance. Mais oui, c'est une bonne réflexion, ce que vous me dites là. Ah, petit Hermès. Alors Hermès, il me semble que ça peut être pas mal. Si je peux charger plus vite mon tir, putain. Ça serait beau. Ah, c'est trop bien. C'est super agréable à jouer en fait. Ça change vraiment. Puis bon, ça fait quand même 200 le tir quoi. Enfin, en termes de dégâts là... On est très très bien en dégâts instantanés. Je sais pas en dégâts DPS, mais... Enfin, en dégâts par seconde, pardon. Ouais, c'est très très propre. Hein. Alors, yes. Bon appétit aux gens qui vont manger. Et là, c'est le drame. Alors, élan supplémentaire, ça peut être très bien. Récupération rapide. Ah, ah, dur. Tout donne très envie, évidemment. Mais j'ai surtout envie de finir le parchemin. Mais j'ai envie de finir le run aussi. Bon, allez, on est au début du run. On va tenter ça, tant pis. Le PNJ, il est bien ici ou pas? Je m'en rappelle plus. Bon, en fait, ce sera toujours mieux qu'une clé, de toute façon, si je veux finir le run. Ouais, allez. Ah oui, ah c'est là le meilleur PNJ, oui c'est vrai. Celui qui fait changer les bonus qu'on a. Eh oui, Eurydice, quel est donc ce maléfice? Eurydice. Pardon. Et là, c'est le drame.
Alors mes bienfaits sont déjà très très bien, donc le 1 donne très envie. Allez. Donc là j'ai... Ok, le titre de submersion qui est devenu très très puissant, c'est juste ça, c'est dommage. Bon, j'aurais pu avoir mieux, mais c'est pas grave, c'est pas mal. Avec la super musique. Après oui, on aurait pu avoir le 3 et espérer Hermès, effectivement, ouais, mais bon. Je préfère miser sur ce que j'ai, qui est déjà très bien. Ok. C'est vrai que ce PNJ est très chouette, hein. Bon, ça a l'air vraiment mieux de charger une balle et de faire son tir plutôt que de faire dans un ordre différent. Alors, dégâts de lancer, encore une fois, on peut monter. Ou alors les fractures que je peux monter, mais j'ai vraiment plus envie de monter les dégâts de lancer. Hein. C'est vraiment mon attaque principale, donc après il suffit que je chope un truc qui dit genre technique fois 30% et c'est GG quoi. Alors Poséidon, Zeus ou le chop? Poséidon épique, je dis oui. Faut choper les Hermès, ouais. Faut que je puisse déloger en fait. Et dès que je peux déloger, fin du game. Ok. Quelques petits dégâts. Ah, si j'avais su, j'aurais peut-être fait aussi autre chose dans le setup de base du perso, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, posez-y donc, qu'est-ce que t'as pour moi? Alors ça, c'est très très bien, hein, mais c'est juste que c'est trop court. Je l'ai pas et c'est intéressant donc 3. Hein. Ça permet de gonfler le petit carnet donc ouais. Pour le long terme, 3, oui, ça me semble très très bien. On va penser long terme effectivement. Ce jeu a l'air assez vaste hein, en termes de possibilités quand même. Hein. Tu vois les dégâts que ça fait. Mais j'arrive pas à voir les espèces de dégâts de fracture par contre. Hein. Vraiment, je... Ça me parle pas trop. Attention. Ok. Alors, vie en plus ou amélioration. On y va. Sous leurs pieds, il y a de l'eau. D'accord, ok, ouais. Ouais, parce que je vois pas, tu sais, il n'y a pas le petit genre, je sais pas moi, 2-2-2-2-2 qui dit qu'il est en train de perdre de la vie, quoi. Merde. C'est vraiment puissant. C'est vraiment, vraiment, vraiment puissant. C'est une autre façon de jouer, mais ça marche tellement bien. Alors, dégâts de lancer qu'on peut améliorer encore une fois, dégâts de fracture qu'on peut améliorer, ou les dégâts versus boss, 38%, ça reste beaucoup. Alors, c'est 10% en plus. Imaginons, je fais 10% de 15. Est-ce que c'est plus que 163? C'est kiff kiff en vrai, donc autant faire ça. Ah, pour les thunes. Ouais, on va le faire.
Après, ça va être chaud de choisir entre améliorer ou acheter. Je pense qu'on va aller acheter pour essayer de tomber sur Hermès quand même. Waouh, j'ai pris tellement cher. Ouais, je prends tellement cher, attends, calme-toi. Bon, je vais aussi charger ma vie, je pense. Parce que là, ouais, il y a eu échec. Bien. Allez, on tente. Ah oui, c'est que quand il se déplace, c'est vrai, vous avez raison, j'avais oublié que c'était ça. Ah oui, donc j'ai carrément pas intérêt à le booster, effectivement. Posez donc le retour et le truc là, encore une fois, le retour. On peut acheter un boost, vite fait. Pierre de submersion, parfait. Les bienfaits qui repoussent les ennemis, les bousculent plusieurs fois. Bon, ça a l'air très puissant. Mais maintenant, faut voir ce qu'on fait avec les rebonds, quoi. Bon, de toute façon, c'est légendaire, donc tu dis pas non, quoi. Allez, c'est si craqué, on va voir. Bon, ça, ça fait mal. Par contre, là, le problème, c'est que, vous voyez... Il faut que je puisse déloger, quoi. J'insiste avec ça, mais vraiment... Ça va être important. Parce que là, sur ce genre de boss, par exemple, qui a quand même pas mal de PV, c'est pas évident. Alors effectivement, ça repousse. Hein. Bon, ça va, il les rend quand il prend le bouclier. Ok. Je me concentre parce que j'ai pas envie de perdre de la vie bêtement. Et je sens que ça peut arriver. Ok. Ok. Bon, ça va. C'était pas si compliqué que ça, mais c'est juste que oui, à l'arc, c'est compliqué. Est-ce que je conseille plutôt manette ou clavier souris? Moi, je suis plutôt joueur manette, mais après, je pense qu'il y a des gens qui peuvent être très forts en clavier souris, ça dépend. Bon, il y a pas de poisson, c'est bon. Non. Pour une fois, je regarde. Mais j'ai perdu beaucoup de santé. Alors là, ce qu'on pourrait faire, par exemple, ce serait... Ah, j'ai pas le truc des attaques à distance. Ah, je l'ai pas, c'est vrai. Donc là, faut penser bonus, quoi. On a dit que c'était lequel qui nous intéressait, c'était Hermès, hein, c'est ça?
Ouais, mais non. Ah, Ukraine, j'ai eu tellement plus. Mais oui, c'est abusé. Ouais, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Tout me donne envie là, mais. Et en même temps, pas grand-chose non plus. Artemis pour délogement. Ouais. Ouais, je sais pas. C'est pas clair. Parce qu'Hermès, ça donne pas de bonus de récupération ou quoi, donc ouais. Après Zeus, oui, peut-être, je sais pas. Ouais, dilemme de ouf là. Là, je sais pas vraiment vers quoi aller. Ouais, on peut faire plus plouf, plouf, plouf. Bon, allez. Je me décide sur ce qui me parle, mais je sens que c'est une connerie. On va voir. Et là, c'est le drame. Ah putain. Marteau toujours, on a dit. Hein. Marteau, c'est la base. Ouais. Ça fait des bons dégâts quand même. Les ennemis là, ils sont pas censés se prendre des attaques si fortes. En proportion par rapport à ce qu'on est censé infliger à ce moment-là. Enfin, ouais, ça me semble plutôt pas mal. Ok. Et là, c'est le drame. Alors, votre technique transperce des ennemis, inflige machin, c'est dommage, ça aurait été très bien. Oh, vas-y, c'est que les trucs de la technique, là. C'est l'enfer. Je peux faire ça éventuellement, ouais. C'est tout nul. C'est tout nul. J'aurais dû prendre l'autre du coup, ouais. Ah, c'est tellement la blague, j'avoue, je suis dégoûté. Bah, ça sera la 1, de toute façon. Pour les relous. On fera ça pour les rats, notamment, je pense. Qui ont des... Enfin, pour les élites, quoi. Oh là là, cette violence. Cette violence, c'est abusé, c'est abusé. Oh là 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 là. Allez, retire là. Oui, ça y est. On l'a. Ok, et 2-1. Donc là reste Hermès et c'est bon. On y croit. On y croit. C'est cadeau. Plaie ouverte, c'est lequel déjà? Oh! Cette chance! Aphrodite, je prends ou pas? C'est toujours ambigu, je trouve. Ouais, on peut tenter au pire. Ah! D'accord, ok. Attends, mais genre vraiment là? Ah, d'accord. Et Dionysos. Ok. Ok, 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 ok. Oui, du coup, ça a amélioré le délogement, ouais. Bon, normalement ça va aller assez vite.
It's good to know you've fallen just as hard. Pas tant que ça finalement. Je m'attendais à mieux honnêtement. Bon, ça va. Oh, on n'a pas d'appel, ouais, effectivement, ouais. Donc là, ça fait 150 de dégâts quand ça se déloge. Ça commence à être pas mal. Si je peux déloger, c'est gagné. Après, y a aussi la glace. Hein. Si j'arrive à geler complètement, ça se déloge et ça explose, il me semble. Hein. Je crois qu'il y avait un truc comme ça. Alors, votre élan vous permet de faire intoxiquer si votre vie machin est restaurée ou alors... ah oui, ça augmente aussi quand je récupère des trucs comme ça. J'avoue que l'élan, de toute façon, ça me branche pas plus que ça de prendre celui-là, donc on va faire ça. On va miser sur la vie plutôt, ouais. Ouais, même si l'élan il est cool, hein, mais c'est pas forcément celui que je voulais. Ok, alors par contre, quand ça tape dans le bouclier, c'est compliqué. Ok, j'ai. Ok, bon, je vois un peu le délire, mais ça va être compliqué quand même. Et là, il y a un peu un sentiment de toujours plus, je l'avoue. Il y a un peu le truc de vas-y, tape! T'as encore plus mal! C'est déjà tellement satisfaisant comme ça en fait. Ouais, c'est magique. C'est très très plaisant. Et salut! Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on améliore? Dégâts d'attaque, ça peut être très très bien, effectivement. Plus 60, plus 20% de plus, c'est cool. Dégâts contre les boss, 8%, c'est cool aussi. Mais bon, ça c'est quand même plus intéressant. Allez, c'est parti. On va faire ça. Et là. Ah, PNJ de cette zone, on a dit que c'était des bonus qui duraient que sur le court terme, si j'ai pas de conneries. Donc, autant prendre. Ouais. Et pourquoi pas? Alors, dégâts de lancer, pourquoi pas? Dégâts d'extraction, pourquoi pas aussi? Ouais, tout est possible. J'ai envie de tenter l'extraction. En vrai, les deux sont liés, donc. Croise les doigts. On croise les doigts. C'est maintenant. Ok. Ce jeu de la créativité quand même. Je dis les gens qui ont fait les builds et tout ça. Parmi les devs, hein, c'est. Ça devait être quand même bien stylé. Oh, ils font super mal. Hein.
Ok. Alors Hermès, qu'est-ce que tu as pour nous ? On va faire ça. On va faire ça. Laissez-moi y croire, laissez-moi y croire. Aïe, je prends tellement cher. Ils sont énervés. Très énervés. Très énervés. Ça va bien se passer, hein. On y croit. C'est une histoire de temps. C'est bon ? Alors ma technique elle est pas mal pour les boucliers mais en soi elle est pas suffisante hein. Par rapport à... Enfin je pourrais jamais compenser l'autre truc quoi. Alors restaurer 10% machin de votre vie quand on est dans une chambre c'est pas mal. Ouais. C'est maigre. C'est maigre. Surtout avec le shop à côté. Allez on tente. Parfait. Et là, c'est le bienfait bonus. Est-ce que je prends le bienfait bonus ou pas ? Allez, on va tenter. Oh ! Oh ! Et pourquoi pas ? Qui dit non à ça ? Personne ? Eh ben allez, on y va. Bon là, par contre, va falloir être lucide. Parce que si tout ça démarre très très bien, on n'a pas fini. Hein. Attends, c'est moi ? Non, c'est qu'il avait déjà moins de vie. Ah, désolé, Thésée. Oh putain, le step qu'il a pris. La violence. Ah merde, j'avais pas vu. Non. Alors, je me pose une question con, mais est-ce que ça serait pas pertinent de faire taper volontairement la flèche à côté plutôt que de le faire péter sur lui ? Il fait mal. Il fait très mal. You shall soon be destroyed.
Ok, 2-1. Pouah, comme ça fait mal. Comme ça fait tellement mal, mon dieu. Ah merde, quel connard. Je m'en veux tellement. Ok. Oh non, c'est celle-là. La poisse. Oh merde. Je vais crever bêtement. Ok, j'ai compris la strat. C'est bon. Ok. En fait, c'est extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. Mais j'avais pas pensé ça au début. Je pensais que ça faisait vraiment une boucle. Donc ça va. Ah, j'avais jamais fait l'arc jusqu'ici, tiens. Première fois qu'on avance si loin à l'arc, trop cool. Ok, bah voilà. Allez, un petit peu de santé, c'est toujours plaisant. Et puis, donc là, on arrive sur le moment chiant, hein, donc on va prendre la dent de Thanos, hein, de toute façon, sans aucune pitié. Hein. Même si tout le reste fait très envie, mais... Puis là, il me donne pas de vie, quoi. Ça me soigne pas trop, hein. Allez. Oui, le gland, ça aurait été pas mal aussi, mais bon. Les dégâts, je les ai... Ah, mais c'est qu'en fait, le gland, vous dites, quand je le up, ça devient très puissant. D'accord, je comprends mieux pourquoi vous me dites ça, du coup. Ah, alors, attends. Réfléchis. Quelles sont les améliorations qu'on a en attaque? On est d'accord qu'on a un truc de technique nul. Et un truc, c'est juste écorcheur brutal, c'est ça? Non, c'est lesquels qu'on a... Comment on fait pour savoir d'ailleurs? Oui, c'est ça. C'est celui-là. Et celui-là. Donc les deux sont nuls. Il a viré barrage destructeur. Et j'ai pris quoi? Flèche chasseuse. Votre attaque frappe jusqu'à 3 ennemis en infligeant 15% de base. Ok, ça a l'air très bien. Et... D'accord. Je sais pas si ce que j'ai eu c'était bien ou pas. Mais je pense que c'est pas trop mal. C'est mieux, ouais, ok. Après, ouais, faut. Non, je vais pas améliorer, je vais peut-être. Alors, Poséidon ou pas? Poséidon, ce qui serait bien, ce serait d'avoir le. Attends, on va voir ce qu'il y a là-bas. Ouais, y a pas trop. Moi, j'aimerais bien avoir une protection en fait, quoi. Donc, Poséidon, c'est vrai que ce serait pas mal. Allez, fais pas le fou. Oui, c'est bon, j'ai l'appel. Putain, j'ai le pire par contre. Alors, ça, c'est extrêmement puissant, mais Hades, il est pas pro... je peux pas le projeter, il me semble, donc ça sert à rien. Par contre, l'appel, ça a l'air quand même très bien, quoi. Donc, ouais, il me faut un appel. Il me faut un appel dans tous les cas. Bon, bah là, par contre, contrairement à d'habitude, je vais vraiment essayer de d'en faire le moins possible. Parce que les autres trucs qu'il y a, bon, ça peut être intéressant en soi, mais. Ah, sauf si les rats, je les tue en 3 coups, mais ça m'étonnerait. J'ai pas compris exactement ce qui a changé avec le marteau que j'ai pris. Alors la dent de Thanos, pour ceux qui savent pas, Thanos, pardon, c'est juste que j'ai une vie en plus. Donc si jamais je crève, je réapparais. Donc c'est pas inutile en soi. Hein.
Ah oui, un tir, 3 ennemis touchés, d'accord. Donc oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Et là, c'est le drame. C'est puissant quand même, putain. L'explosion, ça aurait été monstrueux aussi. Hein. Mais sur les ennemis, quoi. C'est pas mal. Ça sera pas très puissant contre le boss, mais c'est pas mal. J'aurais pu tricher en quittant en relançant d'ailleurs. Mais je suis pas comme ça. Non mais là le truc de Poséidon ça va sauver des vies, hein. C'est sûr et certain. La seule chose qui va me manquer là c'est vraiment de la vie au final. Merde, quel enfoiré, je l'ai pas vu. Non! Quelle erreur, mais quelle erreur! J'ai de la vie en plus, mais j'ai perdu tellement de santé sur tout ça. Ah là là! Ah ouais, non mais là, les rats dans ce jeu, c'est vraiment les pires trucs de la Terre, hein, franchement. Alors, chaque chance de coup critique, machin, peut faire un coup critique ailleurs, pourquoi pas. C'est pas vraiment très utile, mais c'est toujours ça de prix. Et là, on y croit avec Aphrodite, éventuellement. Je sais plus si elle peut redonner de la vie ou pas, elle. Bon, je pars très mal avec cette histoire-là. Mais non. Ah, oh, punaise, j'ai perdu tellement de vie. Au secours. Merde, il y avait un truc pour l'argent. Il y a des Poséidons qui donnent de la vie, d'accord. Ah, je me disais si je pouvais choper l'extension de santé par exemple avec la récompense ou quoi. Le truc c'est que j'ai galéré contre les rats alors que c'était même pas du épique. Hein. Ah, ça c'est chaud. Alors je peux revendre mais ça sert à rien. Oh, je vais surtout pas revendre tout ça. Allez. Ah putain, c'est pas le bon endroit. Oh puis là, laisse tomber. J'y crois. Ok. Mais au secours. Mais au secours. Ah putain. Oh il est mort. Pardon, excuse-moi, je parle mal, mais c'est que ça m'énerve.
without pain. Ah, j'ai eu chaud. J'ai eu très très chaud. Mais là, je vois pas trop ce que je peux faire, hein, ceci dit. Oh punaise, c'est tellement puissant ça. Ça, c'est monstrueux aussi. Hein. Mais ça, c'est quand même pas mal. Hein. Tu te dis sur une attaque à 10, tu fais. Ah, niveau vie, c'est chaud, ouais. Non mais, vu le nombre d'attaques que je vais mettre en comme ça et vu le nombre d'attaques que je vais mettre en Poséidon. J'ai envie d'espérer, j'ai envie de croire qu'ils m'ont pas mis ça sur un truc épique. On va voir. Allez. Mais pitié, donnez-moi une fontaine quoi. De vie j'entends. Ils veulent pas hein. Ils veulent pas. Genre une petite boutique là. C'est pas l'enfant. Ils font les enfants. Hein. Allez. Oh yes. Oh yes. Allez, bon bah là par contre, sans pitié, on y va tout de suite. Hein. Même si c'est vrai qu'un petit peu d'argent là, ça serait pas de refus. Mais si jamais je tombe sur le micro-rat et tout, laisse tomber quoi, je... Non, même pas. Allez, ah, des gens qui arrivent sur le live en disant « Vive Fly !» Non mais là, l'animé, il a l'air dingo. Moi, je l'ai pas encore vu, mais ça a l'air dingo. Allez. On a fait déjà deux runs, ouais, Yagan. Et là, du coup, on va faire la troisième, j'imagine. Get accustomed to the breeze. My brothers and my sisters and myself, we too wanted to slay our parents, the Titans. Bastards. And worse. And you succeeded. Chopped up some of them into many tiny bits and sprinkled them throughout the pits of Tartarus so they can't regenerate. Or so I hear. Inspiring, really. We had no recourse at the time save to collaborate. Developed a specific plan and saw it through. And the Titans. You think me cruel, yet know nothing of cruelty. But here, you want something to hate, then have it. Allez. Your choice. This again. Attends, j'ai fait deux temps, les gars. Ah vas-y! T'es sérieux? Et comment je fais? T'es sérieux? Bah! Ah non, c'est bon. J'allais dire sinon c'est... Oh les dégâts! Oh, vous avez vu les dégâts? Ils sont tellement sales! Boum! Bon, attends, on s'emballe pas. Parce que les dégâts, c'est une chose, mais après, faut réussir à déglinguer. Les ZAD, et ça c'est pas gagné. Merde. Quel enfer le chariot par contre.
Allez, on y croit. Y'a pas de raison que ça passe pas en vrai. Ok, et on reste vigilant. Et on fait attention au reste. Salut Léo. Bah du coup t'as répondu, ouais. Merde. C'est pas prévu ça. Ok. Le truc c'est que je tire un petit peu loin à chaque fois. Merde, merde. Merde! Je pensais que j'avais le 4. Et la max. Voilà. Ah, blast. That you of all my kin would be the one to do this to me. Ça. No. Quoi, ce run? Beaucoup d'améliorations stylées quand même. On a eu un très beau build, très agréable à jouer, un vrai plaisir. Beyond the frozen overlook, await the first glimpse of the sun to your left, then onward through the cold. So much water. Uncle Poseidon's realm. Is that you? I'm back, mother. Attends, je regarde juste un truc parce qu'il paraît que des fois il y a des poissons qui traînent quand on explore un peu. Alors je sais pas si c'est une vérité absolue, mais des fois il y a un poisson ici, il paraît. Cet endroit est tellement beau, c'est incroyable. Mother, I discovered how come father led you to believe that I could not survive past birth. He didn't lie to you exactly, so he says. Wait, slow down, Zagreus. What do you mean? He told me you would not survive your birth, yet here you are. How wasn't that a lie? Because he thought it was the truth. The fates appointed him dominion over the entire underworld, but he would never have an heir, so he was led to understand. He never expected me to be born, much less survive. He never expected you to survive? Then, forgive my asking, but why did you? How did you? The fates are not known for making mistakes when it comes to such things. Nyx saved my life. Or gave me life, I guess. Then raised me in your absence.
The fates are her daughters, right? Maybe she persuaded them to go easier on me. She cannot say more. In any case, apparently it took her quite a while to revive me, and by then you were gone. Nix. Of course she was involved. I only managed to escape because of her. Then she restored my stillborn son to life and nurtured him? And I never would have known unless that child, fully grown and having learned the truth, defied his father and then found me here. Yes, although we still don't know how come Father and Nix never sent for you. Though, let me ask you something, Mother, if you please. If you had found out that I was born and very much alive, would you have come back? Would I have come back? To see my only child? Had I but known you lived, I would have gladly gone through hell again to see you, Zagreus. Of course I would have. Well then, what if Father didn't want you doing that? What if he didn't want me coming back to him? Or seeing you? Oh no, you're fading again, Zagreus. You've pushed yourself too hard. À chaque fois, c'est trop magique, genre. La personne qui a tué ton père, c'est... C'est incroyable. Digne des plus grands Hercule Poirot. Father wanted her to leave, didn't he? Natural causes got you again, huh? That's a real shame. I mean, imagine one day you're just going about your business and then, you're dead. Although I guess you don't have to imagine it like I do. No. It is plain to me that you are helping him, in spite of my insistence you do not. What do you expect that I should do about this, Nix? What would you do in my position? Deception in my very house and home. Answer me. Hades, my relationship with him remains unchanged. It is the very same relationship from when you first requested I take care of him. He has my full support and always shall. You must know this. What good is any one of you? He's not even your son, and yet you coddle him. You know as well as I that he cannot succeed. You fill his mind with harmful delusions. If that is what you want for him, then please, proceed at pace. They're at it again, because of me. Alors, je sais toujours pas si je me fende un petit cadeau pour papa. Est-ce qu'on lui donne un petit cadeau au papounet ou pas? Chaque fois, c'est tentant, mais je n'ose pas. Je regarde juste un petit peu. Là, du coup, toujours rien. Cette porte est toujours fermée, hein. Je sais toujours pas ce que c'est. J'espère qu'on le saura un jour quand même. Bon, bah voilà, on a fait un petit peu ce qu'on voulait. Et merde, j'ai pas pris le truc est en bas. Ça avance. Oui, on saura. Oh merde, le truc a disparu. Nul. C'est pas grave. Bon alors ça avance, c'est cool, on a plein de points, c'est cool, mais là maintenant ce qu'il me faut ce sont des clés parce que décidément, voilà, la progression je la fais, mais pas comme il faut, hein. Là, ouais. Donc on a terminé avec quoi? Qu'on récapitule un petit peu. J'ai fait le bouclier, j'ai fait l'arc, et j'ai fait le gun. Reste les gants, la lance, et l'épée. On va décider tout ça. Pour les gens qui sont sur le live, ne quittez pas. Je reviens bien sûr dans un instant. Pour les gens qui sont sur la VOD, j'espère que ce run vous a plu. Je vous avais dit, hein, si elle est en ligne, c'est que c'est bon. Donc là, c'est bon. Je vous dis à très vite pour de prochaines sessions Hades. Et je l'espère des win streaks, hein, parce que ce serait pas mal quand même. On y croit. Allez, s'il vous plaît, là. Bon, à très vite.